Salut à tous, comment allez-vous? Alors, on se retrouve encore pour l'épisode 4 de Dead is Land. Donc, on s'est arrêté là. Hein? Non, on n'est pas le même jour. Je vous rassure, je ne vais pas tout faire le même jour. En fait, j'ai relancé le jeu et puis je me suis remis là où j'étais à peu près. Hein, je pense qu'on était devant lui. Pourquoi elle court, elle? Pourquoi elle court? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Ici. Ici. Ok, non, pour rien. Tu cours juste parce que t'as envie de courir. Ok. Alors. Alors, pour l'instant, on croise les doigts parce que la Vermitia a décidé de très bien fonctionner. J'en suis assez content parce que ça me dérangeait vraiment de pas pouvoir faire tout ça. Ouais, on va peut-être réparer ma clé clou. Ma clé clou. Ouais. Ma clé clou. Non, réparer, c'est peut-être mieux réparer. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? On va tout réparer. J'ai bien tout réparé. Toujours quoi? Mode coup, je peux faire, je crois. Je peux le faire avec la batte de baseball précaire. Comme ça, on va nous voir deux. En fait, vous voyez sur le côté droit, là, les deux machins. J'avais pas fait gaffe. Et en fait, c'est la saignée et le pourcentage de coups critiques, en fait. Donc, le x1, c'est le... Ouais, on va faire. Et il faut la réparer. Bon, je vous avoue, c'est ma femme qui me l'a un petit peu dit, hein. Au pire, je parais noobiste à fond. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va améliorer? On va améliorer la clé clou de ce machin, là. Enfin, si je peux, 149, ça va. On va améliorer celle que je viens de faire, la batte de baseball à clou. Donc voilà. Alors en ce moment, je suis en train de regarder. Je fais des recherches pour apprendre à utiliser Premier Élément parce que je l'ai sur mon netbook parce que mon ordinateur ne l'accepte pas. Donc ça a été un gros bordel. Il a fallu que je... Enfin, je vais pas vous tout vous expliquer, mais j'ai assez, non, non, j'ai plus assez. Il a fallu que je convertisse encore enfin que je le mette en ISO pour pouvoir le balancer sur mon netbook, hein, parce que bon, pour ceux qui savent pas, les netbooks, ils ont pas de lecteur CD. Enfin, si on peut maintenant avec des lecteurs CD USB, d'ailleurs, c'est peut-être un truc qu'il va falloir que je me procure. Parce que ça serait pratique. 242 et j'ai 243. Je pense que ça serait pas mal utile. Oh, elle est jolie celle-là. Une batte de baseball avec des coups. Par contre, ça me fait quoi en armes? Oula. J'ai des grenades. Ah, j'ai une place en plus. Alors, j'ai la couleuse, j'ai ça et j'ai les grenades. D'accord, bon, bah, ça va le faire. Donc, il faut que j'aille parler à Shimada qui est ici. On va d'abord fouiller, hein, on va récupérer un peu de thunes. Tant qu'à faire, cocktail Molotov, on n'en a jamais trop. C'est quoi ça? Boisson énergisante. Bon, hop, on se drink ça. Ouais, donc, premier élément, je voudrais essayer de vous faire une meilleure qualité de vidéo. Mais honnêtement, j'ai peur que amener une meilleure qualité de la vidéo fasse un fichier très gros. Et comme vous savez, je ne peux pas uploader des trop gros fichiers. 1 giga d'upload sur Emule, ça bug.
et ça met plus de 700 minutes, je crois. Au bout d'un moment, Emule s'arrête, quoi. Enfin, Emule, n'importe quoi, n'importe quoi. Emule. Non, c'est parce que aujourd'hui j'ai travaillé sur la vidéo de comment s'appelle? La vidéo sur le téléchargement. Donc, je vais écouter la piste et puis ça me faisait rire puisque je parlais des minutes ça. Je fais attention à ce que je mets parce qu'après j'ai peur que si je jette tout, je risque d'être emmerdé parce que j'aurais plus d'armes. Bon, on va garder la machette démoniaque. Précaire. Pistolet de détresse. Batte et clé à clous. Fossile incommode, on va la garder. Pieu de biche précaire. J'en ai deux, on va en garder un. Cocktail Molotov, alcool, nanana. Tout ça, on va les mettre de côté. Voilà, merci Henri, gentil de ta part. Oui, au pire, allez, je peux récupérer un machin. On va parler à Shimada. Voilà. Dieu mon ami, je vais plus longtemps grâce à vous. Oh, bah ça, si tu te fais pas bouffer entre temps. Hein? Ouais, vas-y, donne ton maillet de viande là, on verra plus tard. Apportez des boîtes. Si vous me rendez des boîtes de conserve, j'y ajouterai des épices, ce sera délicieux. Ok, donc en fait c'est la cuisinière. Oui, ben écoute, je ne sais même pas si j'en ai pas déjà. Tous vos efforts seront récompensés. Pourquoi tu me donnes des trucs à chaque fois? J'en ai pas là. D'accord, ouais, ok. Alors enlève-moi ça, c'est bon. Ok. Non, je peux pas t'en donner. Ok, donc j'en ai pas. T'as pas en avoir. Ouais, donc voilà. Donc je vous disais, je voudrais bien améliorer la qualité de mes vidéos. Donc j'ai premier élément qu'on m'a filé, mais je sais pas m'en servir du tout. Donc je vous avais déjà dit hein, que je l'avais, mais j'avais jamais ouvert. Jusqu'à présent, et il faut que j'apprenne absolument à m'en servir. Ça serait pas mal pour que justement cette pince, ok, pour que justement je puisse vous faire des vidéos de meilleure qualité, parce que c'est surtout ce qu'on me reproche. Ensuite, je voulais vous parler justement de tout ce qu'on me reproche sur ma chaîne, en même temps que le Let's Play, parce que bon, je vais pas vous dire exactement ce que vous voyez à l'écran. Ça serait un petit peu idiot. Alors, on me reproche ben, les vidéos de Call of Duty. On me reproche que j'ai pas un bon niveau. Je suis d'accord avec vous. Hein. J'ai un niveau très bof, très mauvais, ce que vous voulez. Sachant que pourquoi je vous mets ces vidéos-là, c'est tout simplement, je ne vois pas l'intérêt. Comment dire, de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je peux faire des vidéos, bah pour vous c'est sûr que ça vous allez dire mais c'est naze, des vidéos à ratio positif ou que je fais des trucs énormes, alors que voilà, je vous poste une vidéo toutes les je sais pas combien, tous les mois sans doute. Donc je sais que je me répète. Que je vais vous redire, j'ai pas une super connexion. Donc comprenez déjà que c'est plus difficile. Prenez exemple sur Monsieur Levé 12. Vous allez dire, putain, ça y est, il repart sur lui. Hein? Mais ça, c'est pareil, on va en reparler après. Prenez Monsieur Levé 12. Lui-même, quand il a fait comment dire? Une partie, je crois, à un McDonald's, c'était un défi qui s'était donné. De gagner une mêlée générale, je crois, au McDo. Il a vu que c'était impossible. Bah, réfléchissez un petit peu. C'est exactement pareil pour moi avec la connexion que j'ai. Je pense que vous voyez dans les vidéos hein, le décalage. Après, c'est pas une excuse. Je veux dire, je veux pas utiliser ça comme excuse. Oui, je suis mauvais et que machin.
Mais pourquoi je vous mets ces vidéos? Tout simplement parce que je veux rester franc avec vous. Je veux rester honnête par rapport à ça. Par rapport au fait que je fais les vidéos en connaissance de cause, hein. J'ai pas envie de vous faire des vidéos pour me la péter ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ben je prends mon pied à dire librement ce que je pense. Déjà. Pour ça, bah, à chaque fois que je fais une vidéo en disant que, alors je dis pas que, en fait, si vous voulez, nous à la base, quand on a commencé à faire des vidéos, donc avec mes voisins Dark Poussiné et Dark Pépette, on s'est dit c'était pour bah, quelque part ouvrir un petit peu les yeux aux gens, parce que malheureusement maintenant ben, beaucoup de personnes, on se tait systématiquement. Et je dis les gens, mais bon, nous aussi en société, on sait très bien qu'il faut savoir se tenir. Et on va pas crier au scandale et dire ouvertement ce qu'on dit dans nos vidéos. Mais justement, et quelque part, c'est pour ça aussi qu'on montre pas nos tronches. Hein, c'est pas, prenez ça, ne pensez pas que c'est par peur ou quoi que ce soit. C'est tout simplement pour les répercussions que ça pourrait avoir. On dit quand même des choses assez violentes quelque part vis-à-vis de la société actuelle, et il faut pas se tromper par rapport à nos trucs. Et on n'a pas envie de lancer une comment dire, on n'a pas envie de lancer on n'a pas envie de lancer un débat de virer le président ou quoi que ce soit, ou que tout le monde se rebelle. Pas du tout. C'est pas du. Attendez, parce que je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille là. C'est pas du tout notre but. Loin de là. Et je voudrais pas que les gens se mettent. Oh, il y a un passage là. Je voudrais pas que les gens se mettent. Voiture. Poser des questions sur le bateau. Oh là là, je comprends. Ouais. Poser des questions sur le bateau. Il faut que j'aille là. Hein? Non, il faut que j'aille là. Destination. V5 accumulateur. Hop, non, on va là. Par où? C'est par où? Et pourquoi j'ai pas mes pointillés à la couille? Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il y a pour là? Là, il y a des zombies. Il y en a un qui bouffe. On va se le faire à la cloueuse. Il y en a deux. Non, tu veux pas me donner ma batte de baseball? Voilà, ma batte de baseball. Merci. Donc voilà, sachant qu'on a des gamins, on n'a pas trop envie qu'il y ait des répercussions sur eux par la suite. Hein, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très facile. Oh là! Ah, vous voyez ce que je vous disais l'autre fois là, de donner un coup de pied. Vous voyez que dans celui-là, ils sont beaucoup plus costauds, hein. Ils tombent moins vite. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que on montre pas nos visages. On compte pas pour le moment montrer nos visages parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt de montrer ça. On verra peut-être par la suite quand notre chaîne, la chaîne. On aura peut-être un autre tournant, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout où je vais non plus. Vous êtes mort, ok. En fait, je sais pas où je vais. Il y a une bagnole. J'ai pas envie de prendre la bagnole pour le moment, en fait. Boisson énergisante, voilà. Prendre batterie. Je crois que j'en ai une qui demandait une batterie, il me semble. C'est. Oh oh oh. Putain.
Il s'est levé, lui. Oh putain, je l'avais pas vu. Reste à terre, toi, putain, mais je tape dans le vide. Tu vas te taper au cul. Toi, t'es à terre. Toi, reste à terre aussi. T'as achevé. Oui, il y en a un. Toi, je t'ai vu, par contre. Putain, quoi? Putain, t'es où, toi? C'est du grand n'importe quoi que je fais là. Oh, putain. Alors c'est pareil, vous pouvez voir quand même dans les vidéos que je m'amène. Donc voilà, donc c'est par respect si vous voulez, ou par tout simplement pour moi. Je vois pas pourquoi je vous ferais des montages vidéo pour montrer que. Oh, guide de l'île. C'est pas mal ça. Non, ça n'ajoute rien. D'accord. Va chier. Pourquoi je n'ai pas les machins à la con? Les petits traits pour me dire la route. Il me semblait que ça me mettait. Oh là là, et là j'ai commencé à avoir du mal aujourd'hui. Non, tu veux pas mettre les petits traits pour me dire où c'est que je dois aller? Bah c'est pas grave, tant pis. On va y aller à pied, hein. On va y aller à pied. Je vois pas trop. Il y a un corps là. Non, oh, il y en a un qui s'en vient. Aïe! Putain, couteau leur foi! C'est des calamités! Oh là! Vas-y, une petite picouse. Une picouse de toxico. Je crois que vous savez quoi? Voilà. Hop, j'avais pas envie de me. Mais je pense jamais à l'utiliser la rage. Et ouais, je pense jamais à l'utiliser. Je devrais peut-être couteau cuisine incommode. Je vais aller par là. Putain, il y a l'air d'avoir du monde par là. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je visite, je vais à droite. Ouais, je vais aller à droite. Toi, t'es bien mort ou tu fais semblant? Ouais, bah, tu fais semblant. En fait, j'ai tellement peur que ça me saute dessus. Il n'y a pas un coureur qui peut s'en venir de là-bas. Moi, c'est le truc vraiment que j'aime pas, c'est ça. C'est quand ça vient d'un coup sur vous. Vous y attendez pas. Il y a des moments. Ah, chasse au trésor, j'ai fait un défi. Oh, il y a un truc ils ont bouffé toute la peau, en fait. Non, toi, t'es mort. Ouais, je disais, bon, je sais plus ce que je disais, parce que je suis tellement pris par le stress du jeu, on va dire ça comme ça. Bon, on va monter, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh, il y a du zombie déjà. Il y a du zombie, il y a du zombie. Déodorant, bon, donc il faut que ouais, ce que je trouve dommage, comme je disais, c'est que voilà, putain, ceinture. Oh, mais j'en ai plus besoin des ceintures. C'est pourquoi j'ai des trucs là-bas, là. Je vois des chiffres défiler. Je sais pas du tout. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde. Je sais pas comment je pourrais faire. Ah, ok, il y a un mec. Bon. Je sais pas comment on va le faire. Ah d'accord, il y a un mec qui se fait électrocuter. Ah d'accord, un zombie qui se fait électrocuter là-bas. On va essayer de faire ça. Voilà.
J'espère qu'ils peuvent pas. Oui, bah, et attends, là. Oh! Oh! Sais-tu ce que j'aime pas, ça? Ça a l'air. Ah oui, les assassins. Ouais, c'est ceux qui rigolent pas, les assassins. Dites-moi qu'ils peuvent pas me toucher. Ah oui, je sais, c'est chien sale ce que je suis en train de faire. Parce qu'ils peuvent pas me toucher. Ah, mais ça, je suis content par contre. Ok. Et toi, ta bouche. Est-ce qu'il y en a encore? Si on n'a pas. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. Pouvoir sauter comme ça sur les mecs. Point américain à point. Oh là 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 là. Alors lui. J'en ai mis quand même pas mal, hein. J'en ai perdu aussi pas mal. Putain. On perd quand même de temps des munitions. Hein. Ah, hop, vite, parce qu'il me semble que j'en avais 9 ou 11, je sais plus. On va peut-être reprendre la batte de baseball. Hein. Ouais. On va prendre la batte de baseball, on sait jamais. Ah, bah tiens, une munition. Ben non, je suis pas sûr, j'en sais rien, mon petit gars. C'est gentil, mais grande batterie. Pas mal ça. Y a pas une personne qui me demandait des grandes batteries pour avoir. Sais pas, un grand coup. Bon. Donc voilà, c'est pas. En fait, c'est je reste ce que je suis. De toute façon, je vois pas pourquoi vous verrez mon visage. Je vois pas l'intérêt. Ceux qui me sortent l'histoire de Sophie et l'HD, bah c'est qu'ils ont rien compris dans l'histoire. Parce que... Putain. Et... Bah déjà, laisse-moi rentrer, voilà. Et... gaz à briquet. Mais vous imaginez la taille du bordel? Et c'est un briquet géant. Enfin bon. Ouais. On va faire le tour. Oh, putain, il y a une porte. Pas la fermer, la porte, je sais pas. On va recopier. Bout de tige en acier, bout de métal. Petite question. Est-ce que je vais... Ah, dommage. Je me demandais si je pouvais monter justement. C'est mieux, j'ai monté là. Tu vas pouvoir, pourtant c'est bizarre. Non, bon, peut-être pas. Ouais, j'ai de là quand même. D'accord. Ah, l'âme. Je crois qu'il faut que j'amène des lames à l'une des personnes. Oui. On va faire gaffe quand même, parce que si un zombie va prendre un coup, ben, j'aurais l'air d'être bien con. Genre là. Non, il est mort. Ok. Gaz à briquet. Et il y a une différence entre le gaz à briquet que j'ai récupéré tout à l'heure et là. Oh! Clé lourde de massacre. Ah, je jette quelque chose. Ouais, d'accord, faut faire gaffe de pas s'électrocuter là-bas. Ouais. Putain, je suis désolé, je
Je suis dans le jeu en même temps, donc ça fait que j'ai du mal à vous parler. Toujours le même mal, j'espère que ça va aller mieux par la suite. Ouais, donc arrêtez d'être. C'est surtout un message pour que les gens ils arrêtent d'être un petit peu crédules. Si seulement vous avez idée à quel point on voit des jeunes, des petits culs se glorifier, comment dire? Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Jeter, jeter, abandonner. Et que, voilà, c'est pas que ils le méritent pas, c'est pas ça. C'est que demain, pour certaines personnes, c'est plutôt, je vais plutôt dire vraiment des très jeunes. Demain, par exemple, le V12, monsieur le V12, va dire, c'est quoi ça? Machin zone. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez, je vais aller parler au mec. En essayant pas de me faire électrocuter, ça serait bien. Je peux te parler ou pas? Je peux te parler ou pas? Rien. Demain, il dirait, passez-moi votre fric. Il y a pas mal de gens qui le feraient. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas pour lui di de dire que il ne doit pas dead zone. C'est quoi cette histoire de dead zone, là? Dead zone. Putain, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Ça doit être un bancaro. Non, 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 non. Écoutez, je vais mettre mon point de compétence déjà. On va agrandir le nombre d'emplacements dans le sac, hein, je pense que ça va aider. J'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Les ennemis qui vous mettent KO subissent des dégâts. D'accord. Réduit les dégâts subis avec les balles. Les balles? Pourquoi il y a des zombies qui me tirent dessus? Augmente l'XP lorsque vous brisez des os. Oh, ça peut être pas mal ça. Ok, enfin bon, on verra. Donc je suis niveau 1 pour les armes à feu, niveau 1 pour les armes contondantes. Ok. On va aller ouvrir la cabane. On va aller ouvrir la cabane. Oh, pourquoi j'ai un chargement? Pourquoi il y a un fucking chargement? Oh putain. C'est quoi ce bordel? Putain. Il y a un chargement. Ça me fait peur. Pourquoi il y a un putain de chargement? J'ai qu'une batte de baseball de merde. Avec des clous. Ça craint du boudin. Attends, attendez. Putain. Putain. Ne sens pas là, le délire. Je vois rien. Je vais crever. Je me sens bien que je vais crever. Oh non. J'aime pas lui là-bas qui vient. Un assassin. D'accord. Comment je peux faire? Je sais pas du tout. Petit biquet. On va voir comment je suis avec les assassins. Les couilles, ok. Non, mais
brûlé, toi, non? J'ai fait une connerie, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Pas des grenades. S'il lui arrive... Ah, putain, il m'a fait peur le con. D'accord, il y a des zombies partout. Bon. Hein? Je vous avoue que ça me met en stress un peu du coup. Est-ce qu'il y a le même bug? Non, il n'y a pas le même bug. Déjà, c'est déjà ça. C'est quoi ce hurlement? Et pourquoi j'ai plus d'armes dans mes mains? Ok. Alors, la cloueuse, c'est pas une bonne idée. Hein? Ouais, je suis un petit peu beaucoup en stress. Un petit peu beaucoup. Ça a été un petit peu chiatique. Tuyau en titane. Pourquoi il y en a qui sont en bleu? À mon avis, il doit y avoir des sacrées combinaisons à faire. C'est quoi ça par terre? Une mission à couleur. Oui, on va prendre ça. Je crois que je vais améliorer un petit peu mon... Enfin, améliorer, non, je vais pas améliorer, mais je vais changer un petit peu ce que j'ai, parce que ça fait pas beaucoup de dégâts, en fait. Attends. Ah oui, plus haut sauvage, pardon. On va reposer ça. On va mettre quoi? Pistolet de détresse. On va mettre ça, mon ami. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais retirer ça et je vais mettre ça. Hop, voilà. Voilà. On va voir. Bon, allez, on se le fait. Oh, putain, pourquoi j'ai pas pensé? Ok, vos mères. Et je suis con. Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Viens, viens, bâtard, viens, venez. J'ai plus de vie. Non, j'ai plus d'endurance, c'est ça. C'est qui lui? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Putain, mais tiens, les paras. Mort? Pas encore? Là, t'es mort. Oh, toi, t'es pas mort! Oh, t'as un bras en moins, en plus. Vas-y, donne-moi de la vie, toi. Casse-toi. Mécanisme. Oh, putain, je l'ai démembré de ça. Enfoiré. Alors, j'ai flippé ma race. Alors, à mon avis, là où c'est marqué Dead Zone, ça veut dire que tu vas me morfler. Ouais, tu me fais quoi, toi? Casse-toi. Oh, t'as un joli chapeau, toi. Eh, dites-moi qu'ils peuvent pas passer par les fenêtres. En fait, j'ai peur qu'il y en ait un autre qui s'en mette. Oh, putain, c'est quoi ça, là-bas? Oh putain, il y a encore un groupe. Ta gueule, toi. J'ai dit ta gueule. Va se coucher. Eh. Oh, j'ai encore un gros là-bas. Bon, mes petits mecs, vous savez quoi? Je sais pas du tout comment on va le faire. Je sais que je suis en mode rage.
Sauf qu'avec lui, mode rage, contre un gros comme ça, je suis pas sûr que ça va aller au coup. Ce qu'on va faire, c'est que on va lui plomber le cul. Je sais pas si on a tellement de temps. Plus rien. Je vais tout utiliser comme un con. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'es? Tu es James Killer Nisra? C'est quoi cette quête? J'avais cette quête, non? C'est quoi ce délire? Point américain formidable. Ben, c'est formidable, ça. Bon, ben, écoutez. On va prendre ça au cas où, hein, parce que c'est là où. C'est au moment où vous y attendez le moins que vous allez avoir un truc. Ah, voilà, vous voyez? C'est pour ça qu'il faut la compétence crochetage. Batte de baseball nuisible. Ben, bien sûr que je vais prendre. Semi-conducteur. Ah, par contre, il y a des putains de trucs. Ah, oui, je crois que là, la bouffe, il en faut. C'est quoi? Ouvrir. Clé précaire, clé précaire. On m'en fout un peu. Ah putain! Ah ouais, on m'a. Ça doit faire partie des mini-boss du jeu ou je sais pas quoi. Bon, bref. Raccord de gaz. Il y a quoi là? Fruits, on a des bouffes. Non, je vais pas sortir par là. Je suis pas encore assez fou. Vous voyez, quand même, des zombies un peu partout. Zombies là. J'ai bien envie d'aller les tuer quand même. Parce que je sais pas si ça m'amène où ça. Est-ce que je peux? Ta gueule. Oh! Il m'a eu par à travers quand même. Fâche. Ah, mais attends, j'ai un point à utiliser, moi. Dans quoi je vais mettre? Je ne sais point. Tout tourne, tout tourne. Les ennemis qui vont mettre KO. Le manque d'XP quand un truc. Réduit les suivis par balle. Non, ça, je trouve ça un peu con. Repoussez vos ennemis, mettez vos ennemis à terre. C'est de plaquer. Pas ça. Hop, on va mettre ça. Lorsque la jauge de rage est pleine, puis non, mais ils me disent toujours la même chose. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se détendre, on va se détendre, on va se détendre, on va se détendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors par le côté? Dites-moi vous. Vous pouvez pas me répondre là. Ah, ce qu'il y a, c'est ce qui me fait chier, c'est que j'ai peur de tomber sur des assassins d'un coup, là. Donc, et j'ai peur que si je rentre après dans la baraque, que ça me, que je dois me retaper l'autre con. Oula. Ah oui, c'est des trucs comme dans le premier. Ah, puis, j'ai jamais été doué à ça. Voilà. Il y a quelques zombies là-bas. J'espère qu'il n'y en a pas des trop gros. Toi, t'es morte. Non, encore, là t'es mort. Toi, je vais. Putain, mais. Je lui ai coupé la tête au passage. Excellent. Allez, on va finir ce passage-là. Et par la suite, on va arrêter là. On va finir ce passage. Là, j'ouvre votre porte. À récupérer, il y a juste des zombies à tuer quoi. Bon, ben c'est juste des zombies à tuer. Alors, attends, je vais voir s'il n'y a pas des objets que j'aurais laissé tomber. Non, j'en ai pas tué un là. Non, bon, c'est quand même assez hard. Bon, là, par contre, si pareil, bon, allez, hop, merde, loupé, bah,
D'habitude. Culé. Reste morte. Reste morte. Pour un zombie, c'est pas mal. On a obtenu le trophée de demi-cerveau. D'accord. Oh, c'est peut-être ce que j'ai aussi. Hein. J'ai peut-être vraiment un demi-cerveau, c'est pour ça. Tranché, pas mal. J'aime. J'aime bien ça. Tranché, ça c'est bien. J'aime bien moi, ça. Toi, ta bouche. Et reste à terre. Il fil barbelé. Oh, c'est pas mal ça, fil barbelé. Alors quel est l'intérêt de venir ici à part pour buter les deux, les trois zombies qu'il y a de chaque côté? Ok, d'accord. Bon, on va sortir de là. J'espère que je vais pas avoir une tripotée de zombies de l'autre côté. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Je vais faire la prochaine vidéo. Je vais sûrement la faire tout de suite. Parce que pour changer, attends, reviens là. Ah oui, j'ai tiré dans le plafond. D'accord. Ok. Donc, non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Sors de là. Hop, là, voilà. Donc sur ce, je vous dis à tous une bonne journée. 40 minutes de vidéo, ouais, c'est largement suffisant. C'est largement trop. Je vous rappelle, si vous savez utiliser Adobe Premier Élément et me donner des conseils sur son utilisation, je vous écoute. Je vous écoute. Enfin, envoyez-moi un mail. Donc je vous rappelle, c'est youdarkangel@hotmail.fr. Donc youdarkangel, ben vous avez vu le. Si vous voulez, je vais vous le montrer. Je crois que je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer en faisant équipe. Voilà. Donc youdarkangel écrit comme ça. @hotmail.fr. Dites-moi comment on utilise Adobe Premier Élément. Ça me permettrait justement de peut-être vous proposer des vidéos de bonne, de meilleure qualité. Enfin, j'espère qu'il y ait une compression peut-être mieux. Donc voilà. Donc je vous fais confiance. N'oubliez pas si ben, contactez-nous hein, par mail. Hein, pour l'instant, ça dort un petit peu sur le mail. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à tous. Je vous dis à tous, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plein de choses de bien. Plein de choses de bien. En tout cas, faites ce que vous pouvez. Je comprends pas du tout. Ça me met à chaque fois la même chose. Donc voilà. Allez, salut tout le monde. Bye bye.